fini, ces folies de vacances-là. À partir de maintenant, on va remettre de l'ordre dans ces petites vies de petits morveux-là. Par ici, la rentrée. Envoyez, que vous attendez. Bon, ben, ça a l'air que toute bonne chose a une fin. Mais oui, je voulais y penser avant de te rappeler. Je sais, Camille, mais je trouve juste ça poche qu'on se parle de ça au téléphone. T'aimerais pas mieux qu'on se voit à la place? Attends une minute. Quand t'écoutes aux portes, toi? J'écoute pas aux portes, Dave, c'est juste que c'est une toilette, hein, c'est pas une cabine téléphonique. Bon. Non, Dave! Non, Dave! Allez, laisse-moi tranquille, OK? Dave, t'aimes-tu que je vais faire ça dans ton lit, hein? Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Hé! Hey, oh, Rose! Oh, s'il te plaît! Rose? Alors, reviens pas que l'école recommence demain. L'été est passé tellement vite. J'ai l'impression qu'on vient juste de jeter nos vieux cahiers de l'année passée. Parle-moi-en pas, mon cerveau fait déjà des bulles. On devrait faire quelque chose pour fêter la fin de l'été. Mais même pas beau dehors. Et je pense même qu'il pleut, là. Mon père m'a dit que ça allait s'éclaircir tantôt. Eh ben, je dis qu'on aille se faire des passes au parc. Ouais, on peut veiller à la rampe de skate. Bof. Faudrait vraiment faire quelque chose de spécial. T'es où? Tu veux qu'on commande des clowns? Ben non, on est eux. Mais c'est dernière journée de congé. Oh, je l'ai! On va lancer des ballons d'eau sur Rick Vallière, pis les gars des crampons. Oh non, je l'ai! On va s'habiller en scout, puis on va tracer de la corde avec nos moumous de sécheuse. Je suis sérieux, là. Faudrait faire quelque chose de vraiment hot. Pourquoi on fait pas juste organiser un gros party comme on a fait l'autre fois? Ben oui, mais en plein air. Avec de la musique, puis des jeux, pis toute la patente. Théo, faut plus d'organisation que ça pour faire un party plein air.